La vidéo que j'ai postée déjà il y a quelques temps sur comment dormir avec une sciatique a eu beaucoup de succès. Et j'ai eu énormément de commentaires, je vous en remercie. Et parmi ces commentaires, il y en a qui me demandaient comment s'asseoir avec une sciatique. Et il y en a d'autres qui me demandaient voilà, j'ai un trajet en voiture à faire et j'ai peur car j'ai une sciatique et je ne sais pas comment me positionner. Je ne sais pas si je vais y arriver à tenir la position assise. Donc, le sujet de cette vidéo, bah, ça va être répondre à ces questions. Comment s'asseoir avec une sciatique? J'ai divisé la vidéo en deux parties. Vous allez avoir une première partie sur comment positionner cette jambe douloureuse et même le tronc afin de diminuer la tension, faire en sorte que ça soit plus acceptable. Après, ça dépend de la sensibilité du nerf. Et la deuxième partie, ça va être plutôt trucs et astuces. Comment faire pour augmenter, améliorer l'efficacité de cette posture? Pour savoir comment positionner son corps, pour soulager le nerf sciatique, il faut savoir comment étirer ce nerf sciatique. Et la neurodynamique nous l'enseigne à travers un test qui s'appelle le SLEM test. On va prendre le cas du nerf sciatique droit. La mise en tension, c'est je me penche en avant, je m'enroule, je me voûte, je me plie la tête, je tends le genou, je plie la cheville. Et là, nous avons une position d'étirement maximale du nerf sciatique et même de tout le tissu nerveux. Étant donné que nous savons maintenant comment étirer le nerf sciatique, on sait comment le décharger, le détendre. Au niveau de la jambe, on va mettre la jambe un peu de côté, même à côté de la chaise, en extension de hanche, flexion de genou. Déjà, on est en décharge du nerf sciatique droit. Après, étant donné que c'est quand on se voûte qu'il y a une augmentation de la tension du nerf, on va plutôt privilégier l'extension en augmentant la cambrure lombaire. Alors, quand vous êtes sur une chaise, moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de mettre un petit coussin. Il y en a sur le marché. Je vais en mettre dans la description. Bien sûr, il n'y a pas de lien d'intérêt. Ou vous pouvez carrément le coller au dossier de la chaise. Okay? Puis après, vous pouvez agir sur la tête. Étant donné que c'est plutôt la flexion de la tête qui va augmenter la douleur, on va privilégier plutôt une tête légèrement en extension. Et dans ces cas-là, il faut adapter son poste de travail en conséquence. Alors, bien entendu, il y a d'autres cas de figure hein, où c'est plutôt l'extension de la tête qui amène à de la douleur. Et dans ce cas-là, vous amenez plutôt la tête en flexion. Voilà, donc c'est cette position-là qui va permettre de plus soulager. Maintenant, les trucs et astuces. Alors, dans les trucs et astuces, donc, qui vont améliorer cette position, je vais me rattacher encore à la neurodynamique, qui dit que lorsque on étire le nerf sciatique d'un côté, ça décharge le nerf sciatique de l'autre. C'est anatomique, c'est merveilleux. On a vu préalablement comment étirer un nerf sciatique. Il suffit de tendre cette jambe. Et là, déjà, on va décharger beaucoup plus le nerf sciatique droit. Dernière chose, au niveau du tronc, bon, je sais que la position peut ne pas être super confortable pour les épaules, mais quand ça soulage, c'est toujours bien de savoir. Là, je viens juste de le faire machinalement. Il suffit d'amener le tronc, de le translater un peu vers la droite, donc du côté de la jambe douloureuse, pour augmenter encore plus la décharge. Dans la voiture, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre bien sûr à l'avant, côté passager, et de reculer le plus possible votre siège. Comme ça, vous avez plus de place pour tendre votre jambe gauche. Après, au niveau de l'inclinaison du siège, je vous invite à essayer de l'amener un peu plus en arrière. Je sais qu'il y a certaines voitures qui ont cette possibilité d'augmenter
d'agir sur la partie lombaire, la partie bas du dos en augmentant la cambrure. Si tel est le cas, c'est super. Si ce n'est pas le cas, bah, il suffit de rouler une serviette et de le mettre derrière votre bas du dos. Voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous invite à regarder la playlist que j'ai commencé à construire avec tous les exercices que je propose sur le nerf sciatique, sur les sciatiques. Et il y en a plein d'autres. Vous avez l'embarras du choix.